Les ING, ils ont souvent l'air chefs de secte comme ça. Ils ont souvent, enfin, en tout cas, des manières d'être qui font qu'on va à un moment les accuser d'être des chefs de secte. Mais il se trouve que s'ils ont cette tendance-là, c'est parce qu'effectivement, malgré que ce soit des décideurs extravertis, que ce soit DE, leur fonction de décision, eh bien, leur toute première fonction, ça reste NI. Et NI, c'est une fonction qui est introvertie. C'est une fonction qui est faite pour rester personnelle. C'est une fonction qui n'est pas faite pour être comprise par tout le monde, qui n'est pas faite pour être ouais, genre extraverti, en fait, pour être partagé, pour connecter avec le monde, tu vois. C'est un truc qui est introverti, c'est ton monde personnel, introverti, encore une fois, à toi. Et ça fait que souvent, ils vont pas être clairs sur leur objectif précis. Ils vont pas être clairs sur leur NI, tu vois, mais par contre, ils vont vouloir prendre des gens avec eux, ils vont avoir tous les trucs des décideurs extravertis, mais ça va être au final toujours pour leur NI qui là est personnel et qu'ils veulent pas partager aux autres, qui est pour eux, etc. Et c'est marrant de se rendre compte de ça parce qu'en fait, on voit qu'en fait, toutes les fonctions, quelles qu'elles soient, quand elles sont introverties, elles sont faites pour être garder, ouais, secrète même, personnelle, secrète que pour toi, etc. Et du coup, avec la pensée introvertie, c'est la même chose. Et les penseurs introvertis ont du mal à partager leurs idées avec les gens, parce qu'en fait, enfin, la pensée introvertie n'est pas faite pour ça, en fait. Pour expliquer tes idées aux gens, tu dois utiliser ton TI personnel, qui est pas censé être compris par les autres, bref, qui est introverti, etc., qui est restreint, qui n'est pas sur un spectre. Et tu vas devoir le mélanger bizarrement à ton FE pour essayer de créer quelque chose qui ressemble à la pensée extravertie. Et c'est vrai que c'est quelque chose en fait dont je me suis rendu compte chez moi. Et du coup, je me suis rendu compte que c'est parce que je suis un penseur introverti, etc. Et je me rends compte que souvent, je dois me forcer à rendre mes idées bêtes. En tout cas, pour un penseur introverti, ça va avoir la même impression que si on devait genre volontairement rendre quelque chose bête. Mais à apporter de la nuance, et j'essaye en fait à chaque fois d'aller au bout du raisonnement, même quand, non, genre, fais pas une vidéo trop compliquée où tu vas dire un truc pour ensuite le nuancer, etc. Genre, ce qui perd tout le monde, tu vois. Fais juste un truc, ok, les penseurs introvertis, ils sont comme ça, fin de la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Mais à chaque fois, je vais, mais du coup, ils sont comme ça, mais en fait, ils sont pas vraiment comme ça parce que truc de fonction inférieure, etc., etc., tu vois. Et au final, c'est pas vraiment vrai, mais du coup, ils finissent par le créer eux-mêmes, donc ça devient vrai. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Souvent, quand je fais des vidéos, surtout sur YouTube, à vrai dire, en voulant expliquer un truc basique, je me mets du coup à faire un truc plus compliqué que ça aurait pu ne l'être autrement, soit du coup me forcer vraiment à rendre le truc bête, entre guillemets, encore une fois. Parce que pour un penseur introverti, quand tu vas dire un truc mais que tu vas pas aller au bout du TI et que tu vas pas réfléchir de ouf et donner tout le raisonnement du début jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion du truc, tu vois, c'est pas de la bonne pensée. Pas de la bonne pensée, c'est pas vraiment vrai, tu vois, genre, tu sais, c'est pas le truc chez les TI, la vraie vérité, vrai, tu vois, genre, c'est pas honnête de dire ça et de pas dire le reste. Et en tout cas, chez tous les penseurs introvertis, quand ils vont vouloir expliquer leurs idées aux gens, soit ça va être trop compliqué, soit ça va les saouler parce qu'ils vont devoir rendre le truc bête, et c'est d'ailleurs pour ça que en général, ils n'expliquent pas leurs idées aux gens, parce que soit on les prend pour des fous, parce que c'est compliqué, genre, c'est beaucoup trop compliqué, ils vont beaucoup trop loin, on se dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Soit on comprend pas leurs idées, donc, soit ils vont juste ne pas les dire parce qu'ils se rendent compte que quand ils les disent, bon, on les comprend pas. Du coup, ils vont juste ne pas les dire, tu vois. Et c'est pour ça que du coup, les penseurs introvertis, ils vont être sur cet axe-là, TIFE, tu vois, parce qu'ils vont pas vouloir dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils vont se dire, non, si je dis ça, les gens, ils vont me trouver bizarre, ils vont pas comprendre, etc., tu vois. Et du coup, ils se mettent à pas vraiment dire ce qu'ils pensent. Et pour s'en sortir de des situations sociales, ils vont juste sourire et faire les FE, tu vois. Et là, on est du coup sur l'axe TI, pensée personnelle. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand notre pensée elle est personnelle? Bah, c'est juste essayer de bien paraître à l'extérieur, tu vois, de pas faire en sorte que, enfin, de faire en sorte que les gens ne nous trouvent pas bizarres, tu vois. Et du coup, là, c'est FE. C'est pour ça que TI et FE marchent toujours ensemble et que plus il y a de l'un, moins il y a de l'autre, etc. Parce que si tu passes tout ton temps, du coup, à être avec les gens, à faire en sorte que tout le monde se sente bien, etc., tu pourras pas justement passer du temps à réfléchir à tes trucs super compliqués qui plaisent à personne, tu vois. Tandis que les penseurs extravertis, eux, arrivent à rendre leurs idées bêtes. Mais en réalité, c'est pas rendre leurs idées vraiment bêtes, c'est juste
genre ne pas aller aussi loin en fait dans leur pensée. Du coup, c'est de la pensée qui est extravertie, qui est compréhensible par tout le monde. Eux-mêmes, ils font en sorte que ça soit compréhensible par tout le monde. Et je me souviens quand je regardais à l'époque les vidéos d'Objective Personality sur leur chaîne YouTube, je les trouvais très clairs, c'était très simple, etc. Mais je me disais quand même, c'est quand même vachement basique. En réalité, dès qu'on creuse un peu, c'est plus compliqué que ce qu'il explique dans la vidéo, tu vois. Mais parce que Dave Powers a de la pensée extravertie dans ses fonctions. Du coup, ça va pas le gêner de dire un truc, c'est pas vraiment vrai, c'est genre en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En disant ça aux gens, ils vont comprendre un peu, mais ils seront incapables de vraiment se confronter à des vrais typages, tu vois, parce qu'ils vont se dire que, ah, du coup, les gens comme ci, ils sont comme ça, ah, les DE, ils veulent plaire aux gens. Ok, donc du coup, dès que tu vas avoir un DE qui dit quelque chose qui plaît pas aux gens, tu vas penser que c'est un DI, tu vois. Et quand on a un penseur introverti, on se dit non, si on dit ça, du coup, ça va pas bien marcher parce que justement, c'est pas assez compliqué par rapport à la réelle complexité des choses en fait. Et quand on type les gens, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment genre plutôt complexe, c'est vraiment très nuancé, il faut vraiment faire très attention avec tout ça. On a l'impression que si on fait ça, ça va juste pas marcher en fait, ça va juste pas fonctionner parce que du coup, on ne pourra pas faire face aux vraies situations. Genre, tu vois, enfin, tu sais, ce côté-là encore, le vrai truc, genre. C'est pas ça le vrai truc. Quand tu vas aller typer des gens pour de vrai, ça va pas être comme ça que ça va vraiment marcher, tu vois. Genre, c'est ce truc-là de, est-ce que c'est vrai, genre vrai, vrai, tu vois. Est-ce que ça marche dans tous les cas, même dans les cas les plus compliqués, est-ce que ça marche toujours, tu vois. Et c'est vraiment ça le truc des penseurs introvertis. On veut que ce qui marche, marche partout, tout le temps. On veut que ce soit le truc parfait, le truc ultime, l'outil ultime, le raisonnement ultime qui marche dans tous les cas. On veut pas que juste ce soit oui voilà bon des gens ils vont mieux comprendre comme ça des gens ils vont mieux non non les gens ils comprendront ce qu'ils doivent comprendre ou ils comprendront jamais tant pis en tout cas nous on veut ce qui marche pour de vrai introverti personnel restreint etc etc en utilisant la méthode en utilisant la fiche efficace etc pour avoir genre des choses qui vont être le plus proche possible des définitions des fonctions tu vas te rendre compte que ça marche. Ok, génial. Et tu vas te rendre compte du coup, ah, ça c'est une nouvelle anecdote des ESP, tu vois. Du coup, c'est. Je sais pas si c'est clair ce que je dis.